Si j'avais la chance d'être un personnage de film, je pense que je choisirais Tintin. Pas juste parce que les deux, on a le toupet dans les airs, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup comme moi et qui excelle à trouver des solutions. Mon nom est François Lenouette et je suis directeur de compte global chez Conférences Directes. Mon rôle chez Conférences Directes est de simplifier la vie de mes clients qui organisent des congrès. J'offre un service gratuit de recherche d'hôtels et de négociation de contrats pour n'importe quel hôtel ou lieu de réunion à travers le monde. On offre également un service de planification d'événements, de gestion des inscriptions et de gestion de l'hébergement pour leurs réunions et congrès. Pour ce qui est de mon cheminement personnel, un voyage d'un an en voilier vers les Bahamas en 1992 avec mes parents puis mon frère a vraiment consolidé ma passion des voyages puis mon désir de liberté. Suite à ça, en 2000, j'ai complété une technique en tourisme au Collège Mérici et j'ai travaillé les 10 années suivantes dans l'hôtellerie aux quatre coins du Québec. Je me suis aussi impliqué pendant quelques années au sein de l'organisation Toastmasters dans le but de me défaire de ma timidité puis aussi de parfaire mes habiletés en communication puis en leadership. Ça m'a amené éventuellement à devenir le président du Club Toastmasters des entrepreneurs de Québec, puis à animer pendant 3 années consécutives le gala Reconnaissance du réseau Meta devant plus de 200 convives. Je trouve mon équilibre grâce à mon horaire de travail qui est très flexible et aussi en passant mes temps libres avec ma famille et mes amis. Je suis marié depuis juin 2009 et également l'heureux père d'une petite fille merveilleuse qui s'appelle Maëve depuis août 2010. On aime particulièrement les soupers entre amis, mais aussi les activités de plein air, telles que la voile, bien sûr, la randonnée pédestre, le ski et le vélo. Mon rêve, c'est de générer des impacts positifs dans mon industrie des réunions d'affaires, qui représentent des milliers d'emplois et des retombées économiques de plus de 250 millions de dollars par année à Québec seulement. Pour ce faire, j'ai implanté l'an dernier un chapitre local de MPI, qui est la plus grande association internationale pour les professionnels en événements. Je suis aussi en train de mettre sur pied 2 salons professionnels pour l'industrie, qui va sensiblement améliorer la façon dont les affaires se font, mais aussi générer d'importantes retombées locales. On va notamment inviter des planificateurs de l'étranger à venir découvrir nos destinations. D'un point de vue plus personnel, j'ambitionne de faire le tour du monde en voilier avec ma famille d'ici une dizaine d'années pour leur faire profiter de la chance extraordinaire que j'ai eue lorsque j'étais adolescent. En mot de la fin, j'aimerais partager un poème que j'ai lu il y a quelques années, qui m'a beaucoup inspiré et qui continue de le faire encore aujourd'hui. Il s'intitule « The Dash » en anglais, ce qui signifie « le trait d'union ». Il mentionne que l'information la plus importante sur une pierre tombale est le trait d'union entre la date de naissance et la date du décès. Ce trait représente notre vie et c'est ce que les gens vont se souvenir une fois que nous aurons quitté ce monde. Ça me fait prendre conscience de l'importance d'avoir un impact positif dans ma vie pour qu'elle soit utile maintenant, mais aussi après que je sois parti. Donc j'encourage grandement les gens à prendre le temps de réfléchir à leurs rêves et de partir à leur conquête sans tarder, parce que notre trait d'union est bien court.